Monica Bellucci et Tim Burton sont revenus au festival qui a vu naître leur histoire d'amour, en 2022. Ce week-end, Monica Bellucci et Tim Burton se sont offerts une échappée romantique avec une apparition glamour sur le tapis rouge qui a vu naître leur amour. L'actrice et le réalisateur étaient les invités du festival Lumière de Lyon, là même où leur histoire aurait commencé il y a 2 ans. Les premiers échos de leur idylle datent de février 2023, lorsque des photos volées du couple avaient été publiées par Paris Match. Les deux figures majeures du cinéma international ont officialisé leur relation sur le tapis rouge du Festival du film de Rome en octobre 2023. Depuis, ils multiplient les apparitions glamour, lors des plus prestigieuses célébrations du 7e art. Pour fouler le tapis rouge lyonnais, Monica Bellucci avait choisi une robe chocolat moulante à épaules dénudées signée Saint Laurent, accessoirisée avec des bijoux Cartier. Son compagnon portait un costume noir classique agrémenté d'une chemise bleu vif. Connus pour leur élégance et leur sens de la discrétion, les amoureux se sont laissés aller à un geste de tendresse immortalisé par le photographe Richard Janorio, avec une photo publiée par Monica Bellucci sur son compte Instagram. En octobre 2022, c'est elle qui avait remis le prix Lumière à Tim Burton. Le festival avait rendu hommage à l'influence du cinéaste sur l'imaginaire collectif. Dès ses premiers films et ses premiers succès, Burton installe son univers, savant mélange d'un style très personnel et de références romanesques et picturales qui traverse toute l'histoire de l'art entre gothique et baroque, comédie, horreur, romantisme et mélancolie. Monica Bellucci fait désormais partie de son univers fantasque, puisqu'elle joue dans son dernier film, Beetlejuice Beetlejuice, sorti 11 septembre. Tim Burton lui offre l'une des plus belles séquences de sa carrière avec la scène d'apparition magistrale de son personnage, ex-marié fantôme, gothique et maléfique. Retour, en images, sur l'apparition du couple à Lyon.